legend sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Salut et bienvenue dans un nouveau petit vlog. Nous sommes jeudi, je ne sais plus combien, mars. Bref, de toute façon, je resitue à chaque fois avec la date à ce niveau-là, juste pour que vous ayez un repère dans le temps à peu près. Je sors de la douche, je viens de m'habiller, je ne suis pas encore maquillée, je viens d'appliquer mes soins et du coup, je vais vous montrer parce que je vous en ai parlé l'autre jour en story. Mais c'est vraiment une pépite ce produit et je suis trop contente de l'avoir ressorti. J'ai redémarré, je l'avais acheté donc l'année dernière, c'est le Self Tan de chez Clarins. Ce sont des petites gouttes auto-bronzantes mais qui sont composées à 99% d'ingrédients naturels. La compo est trop bonne et je l'ai acheté au printemps dernier sur My Origin. Puisqu'il coûte beaucoup moins cher qu'en parfumerie, donc c'est le bon plan aussi si jamais vous craquez pour ce produit. Il est trop bien et je l'avais acheté donc au printemps dernier. Je m'en étais beaucoup servi pour avoir bonne mine et j'avais adoré l'utiliser. Et là, je l'ai ressorti depuis qu'on est arrivé ici à peu près. Alors j'alterne parce qu'il y a des jours où il fait très beau et du coup je me fais des sessions de bronzage, mais je trouve qu'entre temps, ouais, ça me permet d'avoir bonne mine. J'en ai remis ce matin, ça faisait 2 jours que j'en avais pas mis, j'en ai mis que 3 gouttes, mais en fait vous pouvez y aller, j'ai une de mes très bonnes copines qui met jusqu'à 5-6 gouttes. On prend pas trop de risques, vous ne risquez pas de vous retrouver orange, enfin, c'est pas comme un auto-bronzant, c'est vraiment léger. J'en suis à la moitié du produit et je m'en suis bien servie l'année dernière. Et là, je l'ai réattaqué. Donc franchement, ça dure quand même longtemps. Donc en gros, c'est un petit flacon comme ça. Je vais tout tomber. En mode pipette comme ça. Avec le push de ce côté-là. Donc vous faites simplement tomber les gouttes comme ça. Donc c'est hyper facile à utiliser. Et moi, j'en mets en ce moment donc 3 gouttes dans ma crème hydratante. Donc je mets une bonne noisette de crème hydratante dans le creux de ma main. Je mets mes 3 gouttes de self-tan. Et ensuite, j'applique sur mon visage. Et après, je vais utiliser un petit coton réutilisable comme ça en général quand je l'ai déjà utilisé, hein, pour que je puisse le mettre au sale après. J'humidifie et je viens frotter le tour de mes lèvres, mes sourcils et toute la bordure de mon crâne comme ça, pour que ce soit pour être sûre de ne pas avoir de marque orange, même si tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas du tout ce problème avec le self tan. Je le fais au cas où au cas où. En plus, vu que j'ai les cheveux, enfin les racines claires, que je suis blonde, j'ai toujours un peu peur, même au niveau des sourcils ou quoi, qu'il y ait des marques. Donc voilà, niveau look, j'ai l'impression de remettre toujours la même chose en ce moment. J'ai trop hâte d'être au printemps et de récupérer nos affaires qui sont encore en région parisienne chez nos parents. Vous savez, on a toujours fait le switch d'affaires automne, hiver, été. Donc là, toutes mes affaires plus légères, mes vestes un peu plus légères, elles sont toutes en région parisienne, donc on va pouvoir les récupérer à la fin du mois. J'ai hâte de récupérer d'autres choses parce que là, j'en ai un peu marre de porter tout le temps la même chose. J'ai mis ma petite robe Jeanne Mille noire avec ma petite veste Cézanne comme ça et des collants. Je vais mettre mes boots parce qu'il pleut aujourd'hui. Faut que je file faire une course, je vais aller à la boulangerie acheter du pain pour faire des avocats de toast ce midi. Donc j'ai terminé de me préparer, je me dépêche et voilà, je vous dis à plus tard, je vous embarque dans des petits moments de vie par-ci par-là. On va goûter tout à l'heure, mais c'est cette boîte là, Marlette, en fait j'ai acheté au supermarché. C'est une épicerie café qui est à Paris. Enfin, il y a plusieurs adresses, donc je connaissais de Paris. Quand j'ai vu qu'il y avait un Intermarché, j'ai pris ça.
Ça me faisait envie, mais je pense que la prochaine fois, on peut les faire nous-mêmes, en fait, puisqu'il y a tout ce qui est beurre, lait, œufs à ajouter. Au final, ils fournissent la farine, la levure. Enfin, ça doit pas être très compliqué à faire soi-même. Et j'ai un peu foiré la pâte, je pense, parce que vu qu'on n'a ni balance ni verdoseur ici, j'ai fait le beurre et le lait un peu comme je pouvais et elle était un peu sèche la pâte. Mais ils ont l'air très bons quand même. Salut par ici, on est mardi 15 mars, je vous retrouve. Je suis allée faire des courses ce matin. Là, on vient de déjeuner, je vais me mettre au boulot, mais avant, j'aimerais préparer un crumble parce que j'ai des poires qui sont en train de s'abîmer. Faire ça avant, comme ça, je vais le mettre au four, on en aura pour le goûter ou en dessert pour le dîner. Et après, je vais me remettre au boulot. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai la flemme ce matin, il fait tout gris aujourd'hui. Je voulais vous partager juste mon petit look du jour. Bon, j'ai retiré, mais j'avais mes Converse Chuck High noirs. Ce simili de chez Zara que je vous ai déjà présenté, je l'aime trop. Il est hyper confort avec des petits bas. Je les achète chez Calzedonia, donc j'avais mis des petits bas à mes Converse, le legging. Ensuite, j'ai mis cette blouse que j'ai reçue de la part de Léopoldine Château. Je me suis tachée ce midi avec la grenade, c'est horrible, j'en suis mis partout. Mais je vais aller laver, mettre du détachant direct pour que ça parte. J'ai bon espoir. Cette blouse est très jolie. Elle détaille des cœurs brodés partout et des boutons en cœur dans le dos aussi. Je vous l'ai présentée dans un post Instagram. Vous pouvez aller voir. C'est ma dernière publication. En tout cas, à présent. Et j'ai mis mon gilet, enfin, qui s'appelle Cardicote de chez Sandro, qui a du velours au niveau des poches, avec les boutons dorés comme ça. Et l'intérieur est trop beau. Le tissu est ouf. Voilà pour le petit look. Et du coup, je vous embarque avec moi en cuisine pour ce crumble qui est trop bon, qui demande pas mal d'ingrédients. Donc si vous n'avez pas tout, enfin, je vais vous expliquer, mais n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez, mais c'est le combo de ces ingrédients qui fait qu'il est si bon. Alors, on va commencer par les fruits. J'ai deux poires qui sont donc en train de bien s'abîmer. Je vais faire trois pommes pour deux poires. L'autre jour, quand je l'avais fait pour chez nos amis, on avait quatre grosses pommes comme ça et trois poires. Donc c'est bien de toujours mettre un peu plus de pommes que de poires, mais faut quand même quelques poires pour que ça donne ce côté tout doux, sucré et onctueux qu'apporte la poire. Donc je vais éplucher ça, couper ça en morceaux et mettre dans un plat au four. Alors j'ai coupé poire et pommes, j'ai mis dans un plat à four. Je regarde un vlog en même temps. Du coup j'ai sorti ce dont je vais avoir besoin pour la pâte à crumble. Je vais vous montrer juste après, mais en gros il faut du sucre de canne et du sucre de coco. Si vous n'avez pas les deux, bah, mettez que du sucre de canne. Moi je moite-moite. Et ensuite pour la farine, de la farine semi-complète et de la farine de châtaigne. Pareil, si vous n'avez pas de farine de châtaigne, faites que de la farine semi-complète. Mais c'est vraiment idéal de mettre de la farine de châtaigne. C'est vraiment ça qui va donner ce côté différent à la pâte. De toute façon, je vous mettrai toutes les quantités en barre de description. Et là, c'est de la cannelle et de la vanille. Donc là, je vais saupoudrer, je vais mettre une cuillère à café de sucre de canne. Je vais saupoudrer un peu de cannelle et d'une pincée de vanille. Je vais remuer et ensuite je vais préparer ma pâte à crumble. Il n'y a pas besoin de faire pré-cuire les fruits. Tout va aller en même temps au four. C'est pour ça que c'est rapide comme recette. Tadam! En vrai, on est le lendemain matin parce que j'ai oublié
comme une dinde hier de montrer le rendu à la sortie du four. Et il a bien été entamé hier soir par Romain, mais qui du coup a validé que la recette était trop bonne. Donc je vous mettrai bien les quantités en barre de description de la vidéo pour que vous ayez la recette. Bon, je vais terminer ce vlog là-dessus, je pense, parce qu'il faut que je poste ma vidéo ensuite, que je la monte et que je la poste. Je viens d'aller chercher une petite commande Zara, j'ai craqué sur quelques pièces. Du coup, je vais vous montrer, je vais pas les essayer dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps de me changer, etc. Et il faut que j'aille monter la vidéo et la publier. Mais je vais vous montrer ici les pièces que j'ai prises et je vous les montrerai portées sur Instagram très prochainement. Alors, il y en a des choses là-dedans. J'ai sorti cette première pièce. C'est une robe. Bon, je suis en legging parce que j'ai fait mon yoga. Et je suis allée chercher le colis, mais je me suis pas encore habillée. Donc, cette robe, je l'avais repérée depuis plusieurs semaines déjà. J'hésitais à commander ou pas. Et je suis trop contente, en fait, le rendu. Elle est trop, trop belle. J'ai pris en XS. J'espère qu'elle va aller. Elle est en coton. Il y a les fronces ici qui rappellent un peu les robes de quand on était petite, je trouve. Mais j'adore. C'est tellement joli. Avec les petites bretelles, là. Et elle est doublée. Donc, elle n'a pas du tout l'air transparente. Avec des petites sandales, là, cet été. Je l'imagine trop. Bon, j'avoue que je m'emballe un peu parce que... Comment vous dire qu'il fait encore... très moche et qu'on est loin du printemps. Là, cette semaine, on a une semaine pourrie ici aussi. Je crois que ce week-end, il fait trop beau, donc j'ai hâte. Mais voilà pour cette beauté qui est pareil dans le dos. Dans les deux sens, elle a la même coupe, quoi. J'ai hâte de l'essayer. J'ai pris une autre robe qui était canon sur la mannequin. C'était une mannequin métisse. Du coup, forcément, sur sa peau, les couleurs étaient juste sublimes. Moi, je sais pas trop ce que ça va rendre sur ma peau toute claire. Mais j'imagine bien cet été aussi un peu bronzé. Et au final, le tissu, je le trouve trop beau. J'avais peur que ça fasse cheap un peu. Et en fait, je trouve que c'est joli. Le détail des fronces ici sont trop... Enfin, est trop beau. Le décolleté, il est joli aussi. Et les manches, j'adore. Là, c'est resserré avec des nœuds comme ça. Elle est trop belle. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens avec la ref à chaque fois. Là, il y avait que 3 tailles, donc j'ai pris S, donc j'espère qu'elle sera pas trop large et que ça ira. C'est une robe longue aussi, enfin midi. C'est pas j'espère qu'en longueur ça ira avec mon petit 1m60. D'habitude, je suis plutôt XS, mais là c'est du S. Donc voilà, je la trouve très belle. Bon, là c'est pas du coton hein, c'est une matière un peu plus j'aime moins en fait, c'est les matières dans lesquelles on transpire un peu plus. Après, moi j'ai de la chance, je transpire pas trop, mais c'est souvent pas l'idéal quand même. Mais je trouvais l'imprimé trop beau. Donc voilà comment elle est de dos. Donc, je vais essayer ça aussi. Ensuite, j'ai pris un basique, une chemise en lin bleu ciel, un peu du style de la tomboy qu'il y a sur Cézanne, mais qui coûte beaucoup plus cher. Là, elle est à 29,95€. Et elle était très belle sur le mannequin aussi. Il y avait plein de couleurs, j'ai beaucoup hésité. Elle existe en blanc, en beige. Si elle est bien coupée, possible que je craque sur d'autres couleurs. J'ai pris du S et pas du XS pour la porter un peu large justement et façon boy. Mais j'espère que c'est pas trop large. Ça se trouve de base, elle est déjà, elle a déjà une coupe large en fait. Mais elle a l'air non mais elle a l'air pas mal, j'aime bien les porter oversize et je trouve que sur le maillot de bain aussi l'été c'est trop beau d'avoir une chemise en lin comme ça. Donc voilà, c'est un bleu vraiment très très clair. Elle est canon. J'ai pris, bon ça rend pas grand chose sur les draps là, sur les draps blancs, un t-shirt en coton, enfin 100% coton, tout simple, tout fluide, que j'ai pris en taille M parce que ça j'adore le porter un peu loose, que je mets dans un jean, dans une jupe, dans un short. Enfin, je trouve que c'est vraiment le basique à avoir. J'en avais un, mais qui avait genre 3 ans et qui avait un peu mal vieilli, qui avait un peu jauni, etc. Donc, je suis contente d'en avoir un neuf. Et j'aime bien faire ça, justement, les prendre en oversize et remonter un peu les manches comme ça. Façon t-shirt Conrad de chez Cézanne aussi. Je vous présente rien de fou, mais j'aime bien quand... ce sont des pièces un peu basiques comme ça et que je vois l'équivalent sur Zara. Alors je sais que c'est pas made in France, etc. Mais j'aime bien quand je trouve un peu l'équivalent
à des prix plus petits, dans des tissus qui sont quand même bien, comme là où c'est 100% coton. Et la dernière pièce, c'est cette salopette qui a le bas un peu entre droit et flair un peu. Je l'ai vue sur une copine ce week-end et c'était trop beau. Elle est hyper épaisse, je l'avais repérée, je l'avais dans mon panier en fait, et quand je l'ai vue sur elle, ça a confirmé mon envie de me la prendre. Elle est trop belle, ouais, le jean est bien rigide, bien épais. Le dos, il est arrondi comme ça. J'espère qu'elle va m'aller aussi. J'imagine trop avec des Converse et avec une jolie blouse en dessous pour un rendu un peu plus féminin. Ou alors un petit t-shirt blanc, des petites sandales. Il y a plein de façons de la porter. Donc voilà pour mon petit shopping Zara. Du coup, j'essaye pas maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je pense que je pourrais vous répondre dans la semaine, puisque je vais essayer les pièces là prochainement, donc je pourrais vous dire si niveau taille ça va, etc. Et puis je vous partagerai ça de toute façon sur Instagram, puis vous verrez si je les garde et si je les porte sur Insta ou dans les prochaines vidéos YouTube. À très vite pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo.